Comment changer votre position sur Internet sans quitter de votre maison? Il y a plusieurs personnes qui aimeraient tout simplement avoir cette mobilité, cette facilité de pouvoir tout simplement changer la localisation sans toutefois bouger de la maison. Plusieurs personnes vont utiliser des VPN, mais actuellement l'application que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est plus qu'un VPN parce qu'elle est capable de vous permettre de changer votre localisation et aller n'importe où dans le monde entier. Contrairement aux VPN qui vont tout simplement vous permettre de choisir des pays qui sont disponibles dans le VPN par défaut. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une application qui va vous permettre d'aller n'importe où. Vous pouvez aller même dans les fins fonds des villages en Inde sans toutefois bouger de votre maison. Tout ça sur votre iPhone ou encore votre iPad. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence le tutoriel après le générique. Hello, like, subscribe. L'application que je vais présenter dans cette vidéo va vous permettre premièrement de changer vos localisations. Elle va aussi vous permettre de simuler des mouvements sur les applications telles que WhatsApp, Snapchat et même les applications de rencontres telles que Tinder et autres. Et dans le troisième cas, je sais que vous allez trop aimer ça, vous les gamers, parce qu'elle est capable de vous permettre de jouer à certains jeux qui dépendent de la localisation telles que Pokémon Go. Et pour certains influenceurs, elle va vous permettre de tout simplement créer des comptes TikTok monétisables. Ah oui, je vous vois tous ceux qui sont en Afrique actuellement, vous avez besoin des comptes TikTok monétisables. Alors, grâce à cette application, vous allez pouvoir tout simplement créer des comptes TikTok monétisables en changeant tout simplement votre localisation. Pour ceux qui aiment des plateformes comme Netflix ou encore Amazon Premium, parce que vous savez qu'il y a plusieurs abonnements qui sont disponibles dans plusieurs pays. Alors, avec cette application, vous allez pouvoir acheter des abonnements moins chers. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. On commence le tutoriel maintenant. Vous allez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo et là vous allez faire le paiement. Ensuite, vous allez être dirigé ici. Donc ici, vous avez la possibilité de l'installer sur votre PC Windows ou alors macOS en suivant tout simplement le guide qui vous sera envoyé par email. Donc on va cliquer sur téléchargement et maintenant on va patienter jusqu'à ce que le téléchargement sera effectué. Le téléchargement est terminé. Nous allons maintenant installer l'application. Et pour faire ça, on va tout simplement drag and drop ici et l'installation sera effectuée. Une fois ouvert, maintenant vous allez entrer votre identifiant Apple et votre mot de passe. Une fois entré, on va tout simplement connecter notre iPhone. Voilà, c'est connecté. On va maintenant venir et appuyer sur installer. Et ici, il va falloir faire confiance à l'ordinateur. Et puis, nous allons patienter. Lorsque vous allez recevoir ce message, alors, ce que vous allez faire, c'est très simple. On va d'abord aller dans les réglages. Une fois dans réglages, on va aller dans général. Et maintenant, ici, on va descendre sur VPN. Et ici, on va venir et sélectionner notre compte. Puis, on va appuyer sur faire confiance et appuyer sur oui. Maintenant, voici nos deux applications. On va ouvrir notre application et je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise l'application en question. Donc, on va maintenant appuyer sur suivant. Et maintenant, ça nous montre tout simplement comment est-ce qu'on peut utiliser l'application sans aucun souci. Donc, et maintenant, ici à droite, on peut voir les fonctionnalités par rapport au jeu Pokémon Go. Et pour changer la map, on va appuyer sur le petit point à droite et on va venir dans les paramètres. Ici, on va sélectionner la map. On peut sélectionner la map satellitaire et autres. Donc, on peut aller sur hybride en mode satellite. Donc, je vais laisser ça. On va aller dans Montréal. À Montréal au Canada, on va sélectionner Montréal directement. On a la map de Montréal, Canada. On peut aller maintenant et sélectionner une position. Donc, si je sélectionne ici, peut-être le bateau. Maintenant, on va appuyer sur la position. Et là, on ira directement dans la position. On va appuyer sur autoriser. Donc, on va autoriser le VPN lorsque c'est activé. On va entrer notre mot de passe. Et puis, on va aller dans la localisation qu'on vient de chercher. Et voilà, comme vous pouvez voir, l'heure de mon téléphone a changé. Donc, l'heure de votre téléphone va totalement changer. Et maintenant, si on veut envoyer notre position, par exemple, sur WhatsApp ou envoyer une localisation, je vais aller appuyer sur plus. Et là, je vais aller sur localisation. Et ici, maintenant, si j'appuie sur localisation direct, alors on va nous montrer qu'on est au Canada. Donc là, actuellement, on me dit que je suis loin. Et maintenant, pour essayer encore ceci, on peut aller sur Snapchat. Snapchat, là, c'est autre chose parce que avec Snapchat, c'est une grosse dinguerie. Pour Snapchat, on va aller sélectionner l'application Snapchat. Et là, on va prendre une petite vidéo ou encore une photo. Et puis, ici, on va tout simplement
Comme vous pouvez voir, je suis actuellement à Montréal. Comme vous pouvez voir, voilà les différents filtres qui se trouvent actuellement à Montréal. Donc, si on part peut-être, comme vous pouvez voir, Centre des sciences de Montréal. Donc, je peux tout simplement aller à Montréal sans aucun souci. Alors, pour les applications de rencontre, c'est aussi la même chose. Et c'est comme ça que vous pouvez utiliser cette application exceptionnelle. Voilà, vous avez le secret maintenant. Vous allez pouvoir changer votre localisation sans aucun souci. Et si cette vidéo a été possible, c'est grâce à Tenorshare. Donc, je tiens à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui, Tenorshare, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et je pense que si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, alors celle-ci ou encore celle-ci va plutôt vous plaire. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. J'attends vos commentaires. Merci.